Sa mère veut qu'il devienne un homme d'église. Et quand elle lui dit « tu seras curé », lui, il pense tout de suite qu'il sera évêque. Ça montre déjà l'ambition du personnage. Il annonce deux autres ambitions à ses proches, gagner le Tour de France. Lui, le fan de vélo, qui n'a pourtant jamais eu de licence dans un club de vélo, ou devenir président. Pour financer ses études, il accepte un boulot de prof d'histoire dans un collège de filles. Les collégiennes ont des vues sur lui, d'après ce que certains anciens de ses élèves, anciennes de ses élèves nous ont raconté. Puis un jour, effectivement, il arrive en classe avec un porte-jartel accroché à son tableau. Ça montre justement, c'est un jeune homme, hein, il a la vingtaine, il est plutôt bel homme. Et cette anecdote, on lui a re-raconté, il s'en souvenait plus. Ça n'a pas manqué, je pense, autant le gêner que de le faire sourire. Nous, on a eu la confirmation qu'il a été donc initié en franc-maçonnerie à Lorient, au Grand Orient de France. Lui a toujours refusé de parler du sujet. Il a été à chaque fois implacable hein, quand tu lui poses la question. Je n'en ai jamais parlé, je n'en parlerai jamais. On est globalement assez discret et pudic à ce sujet dans l'entourage de Jean-Yves Le Drian, comme il peut l'être lui-même. On est moins certain qu'il ait été assidu et actif. En revanche, on peut dire qu'effectivement, ça a contribué à former son réseau. Mais son réseau, il est très vaste, Jean-Yves Le Drian, que ce soit dans le monde économique, dans le monde institutionnel, au niveau lorientais, au niveau breton. Donc, c'est un élément parmi d'autres. Jean-Yves Le Drian et son équipe, notamment son directeur de cabinet, Cédric Lewandowski, ont réorganisé un peu le processus de vente, de promotion des matériels militaires français à l'étranger. Il y a aussi la personnalité du ministre. C'est quelqu'un qui est doté d'une bonhomie assez extraordinaire et qui sait prendre son temps lorsqu'il négocie. C'est ce que Nicolas a soulevé dans le bouquin. C'est qu'il est capable, s'il faut rester une semaine ou revenir, il ne va pas pousser tout de suite à la signature. Il va prendre son temps. Et c'est ce qui a fait la réussite, notamment sur le contrat australien.